الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ونحن في يوم الجمعة 25 رمضان إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ودعواتنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا يا رب اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا أيها الإخوة الكرام سوف نتكلم اليوم إن شاء الله nous allons parler إن شاء الله sur la bonne opinion que nous devons avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous arrivons au terme وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ C'est pour que vous atteigniez jusqu'à la limite du mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé, ce mois de piété, ce mois où c'est une opération condensée pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan n'est pas fini, il reste encore 5 jours. Mais « من كان يعبد رمضان فإن رمضان سيذهب ويموت » Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala juste pour Ramadan, Ramadan il va partir. « ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » عجيب لأمر الإنسان. عجيب. C'est vraiment désolant de voir quelqu'un qui vient vers Allah subhanahu wa ta'ala, de voir la mosquée pleine, ayyuha l'ikhwa. Quand on fait salat al-dohr ou salat al-asr à la mosquée est pleine pour Ramadan. Et après Ramadan, on est juste de ranger. Après Ramadan, il y a moins de gens. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il existe à Ramadan, il n'existe pas en dehors de Ramadan? Pourquoi? Pourquoi nous avons ce rapport de commerçant avec Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi nous cherchons juste Laylat al-Qadr pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on veut? Allah subhanahu wa ta'ala mawjoudin fi kulli zamanin wa makan. Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout. Il est là où, fi kulli makan, ma'iyatun khassa ma'al insan. Je vais expliquer ça, Inch'Allah. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. La différence entre le hadith et le hadith القدسي. Le hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. D'ailleurs, la sunnah, ayyuha l'ikhwa, la sunnah, ce sont les paroles, les actes et les acquiescements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles, les actes et les acquiescements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les acquiescements du prophète, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit un mal ou il voit un haram, il ne se tait jamais. Il se retourne vers la personne. Un jour, il y a une personne qui faisait des éloges sur le prophète et elle a dit « Wa ya'lamu ma biradi » Il sait ce qui va advenir demain. Le prophète, il se retourne et dit « Ça, tu enlèves. » Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, « La ya'lamu ma biradi »« La ya'lamu l'ghaiba illa Allah subhanahu wa ta'ala » Donc, il se retourne vers elle et dit « Tu arrêtes. » Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il acquiesce, c'est sunnah. Mais c'est ajibun minna, qu'on comprenne la sunnah juste dans certains petits détails. As-sunnah hiya shama'il al-muhammadiyya ayyuha al-ikhwa. C'est toute l'éthique du prophète et tout son beau comportement, toute son éthique vis-à-vis de ses épouses, vis-à-vis de sa société, vis-à-vis de ses compagnons, vis-à-vis des gens qui étaient ses adversaires. C'est ça la sunnah ayyuha al-ikhwa. Ajibun minna annana nafhamu as-sunnah illa fil qamis mathalan. Ajib, men yafham hadha al-fahm al-dhayyiq, celui qui comprend cette compréhension, mais alors limitée, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sunna tashrahu lana al-Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique le Coran. As-sunna, elle explicite le Coran. As-sunna, yumkinu laha an, elle peut abroger le Coran. Vous imaginez, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, la wasiyata li-warith. Il n'y a pas de testament pour le warith, pour quelqu'un qui hérite. Ça, c'est pas dit dans le Coran. Mais وَإِنْ كَانَتِ الْآيَةِ مَنْسُوخَ الَّتِي تَتَكَلَّمُ عَنْ آيَةِ آيَةِ لِأَبْرُجِ Celle qui parle du testament
pour celui qui arrive à la mort. Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabin haqqan 'ala al-muttaqin. Cette aya qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le 180 de sourate al-Baqara, elle est abrogée par Allah subhanahu wa ta'ala bil aya 11 et la aya 12 min sourate an-Nisa. Mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit la wasiyatu lil-walid, on peut pas laisser un testament pour quelqu'un qui hérite. Tout ça pour arriver à quoi, ayyuha al-ikhwa? Anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'badu fi Ramadan wa fi ghayri Ramadan. On adore Allah pendant le mois de Ramadan et on dort du mois de Ramadan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit quelque chose de très éloquent. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait le hadith al-Qudusi. Alors le hadith, c'est quand le prophète il parle. Le Coran, c'est Allah qui parle. Et nous n'avons pas le droit de changer un terme du Coran. Nous n'avons pas le droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Parmi les préceptes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala il protège ce livre, quand tu lis le Coran en français, c'est pas du Coran. Quand tu lis le Coran en anglais, c'est pas du Coran. Le Coran se lit en arabe. Et d'ailleurs, les autres livres ont été transformés, on a rajouté, on a enlevé. Et ça, les exégètes des autres livres, de ceux qui nous ont précédés, de la Bible, on vous dit que la Bible, on a rajouté, on a enlevé. Pourquoi ? On est passé du texte original à la traduction. Et dans la traduction, chacun est traduit selon sa compréhension. Le Coran, là, « Taklimna an laylat al-qadr ». Il y en a qui traduisent « laylat al-qadr » par la nuit du destin. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, « al-qadr ». Il n'a pas dit le destin. « Al-qadr ». « Al-qadr », c'est un mot, comme on dit en français, c'est un mot polysémique. C'est un mot qui comprend plusieurs sens. « Wa kullu shay'in khalaqnahu biqadr ». Chaque chose, on l'a sorti, on l'a créé avec juste mesure. « Al-qadr », na'am, le destin aussi. « Allah, subhanahu wa ta'ala, qadir » wa qadir ». Donc vous voyez tous les termes qu'il y a dans le mot « qadr ». Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce terme exprès. Il a choisi ce terme exprès parce que yuqaddiru fi dhalika al-yawm wal qadar wa ma man qudira alayhi rizqah, celui qui a son risque qui a été rétréci. Certains savants ils disent l'espace est tellement rétréci de la présence des anges. Nadhunnu Allahu a'lam. Nadhunnu Allahu a'lam. Anna laylat al-qadr kanat al-bariha. Man hurimaha faqad hurima khayran kathira. Lakin Allahu a'lam. Mumkin tkun Laylat al-Sabawashirin, Inch'Allah, elle peut être la nuit du 27. Mais souvent, les ulama vous disent, si al-witr, c'est une nuit qui est impair, et elle tombe la nuit du vendredi, il est fort possible que ce soit Laylat al-Qadr. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, iktubna la khayr. L'an, ayyuhal ikhwa, regardez. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ana inda husni dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani. Je suis avec mon serviteur. Hna, yqulu l'ulama, ma'hiya khassa. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis avec mon serviteur là où il se trouve. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous là où on est. Sur terre ou sur la lune. Sur terre, n'importe où vous êtes, n'importe où nous sommes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit, quand tu invoques Allah, quand tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est avec toi. Quand tu regardes la montagne et le gigantisme de cette montagne, et tu penses, qui c'est qui a créé ça ? فَأَنْتَ قَدْ تَذْكُرُ اللَّهِ. Quand tu vois une belle fleur, فَأَنْتَ ذَكَرْتَ اللَّهِ. Quand tu regardes une abeille, comment elle butine, فَأَنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ اللَّهِ. Quand tu te rappelles qu'Allah t'attend pour la prière, فَأَنْتَ ذَكَرْتَ اللَّهِ. Quand tu casses ton sommeil et que tu te lèves au milieu de la nuit pour un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ حَتَّى تَتَفَطَّرْ قَدَمَهُ. Il faisait la prière de nuit jusqu'à ce qu'on voyait des fendiments sur ses pieds. Et Aïcha lui dit, Ya Rasulallah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tout ce que tu as pu commettre comme péché. Et qu'est-ce qu'il a commis comme péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qala ya Aïcha, afala akunu abdan shakura, wa li tukmilu l'iddata, wa li tukabbiru Allah ala malakum, wa la'allakum tashkurun. Afdalu l'ibadat, hiya shukru lillah subhanahu wa ta'ala. An tashkura Allah, annahu manahana, qu'il nous a donné quoi? Cette opportunité de se rapprocher de lui. Cette opportunité de goûter au paradis, l'adat al-qurb min Allah. Cette opportunité d'arriver à ce qu'on appelle l'amour d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, je suis sur la même opinion que mon serviteur il peut avoir de moi. La même opinion que mon serviteur il peut avoir de moi. Si mon serviteur, il me cite dans lui-même, comme on dit, je suis selon l'opinion que mon serviteur il a de moi. Et je suis avec lui quand il me nomme. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionnerai en lui-même. « Dhakarani fi nafsi, dhakartuhu fi nafsi. »
وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ Si tu rappelles Allah subhanahu wa ta'ala dans un groupe, Allah subhanahu wa ta'ala il te cite dans un groupe meilleur que celui dans lequel toi tu l'as cité. Allah il te cite dans un groupe des anges, dans un groupe où il y a Ruh al-Qudus, où il y a Jibril. وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا أَلْقَى مَحَبَّتَهُ عَلَى الْخَلْقِ Quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, Allah subhanahu wa ta'ala il descend l'amour, son amour pour toi, il le descend sur les gens. Les gens ils vont t'aimer, ils te voient parce que tu leur rappelles Allah. Parce que tu leur rappelles Allah, les gens ils t'aiment. Mais comment on voit les fruits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'aime ? D'abord, on ne peut arriver à Allah qu'en faisant ce qu'il nous demande déjà. Et on peut arriver à Allah en cheminant. Et quand on chemine, on grimpe les échelons, ayyuhal ikhwa. On peut atteindre la notion de certitude. La notion de certitude, fil Qur'an, elle est de deux sens. La notion de certitude, comme a dit l'imam Ali, « لو رفع عني الحجاب مزدت يقينا » L'imam Ali disait, « Si on levait le voile sur moi, et que je vois le paradis et l'enfer, je n'aurai pas plus de certitude. » Mais la deuxième certitude, c'est quoi ? La première certitude, c'est que « أن تعبد الله كأنك ترى » Tu atteins « درجة الإحسان » Tu atteins le degré où quand tu fais les choses, tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout le temps avec toi. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te regarde, il est avec toi, il le sait. Et tu n'écoutes pas n'importe quoi. Et tu ne dis pas n'importe quoi. C'est-à-dire, tahfadh al-jawarih. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Et qu'il sait, kha'inatul a'yun ma tukhfi as-sudur. Même ce que la personne cache dans son fort intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et qu'il y a deux anges qui notent tout. Ça min 'alim al-ghayb. La deuxième certitude, c'est quoi ? Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. La deuxième certitude, c'est quand on arrive à la mort. Et ça, cette certitude-là, tout le monde va la voir. Que ce soit un croyant ou un non-croyant. Le mécréant, il aura cette certitude-là quand arrivera la fin de ses jours. Mais le croyant, il a une certitude déjà fi dunya. Cette certitude qui le mène vers darajat al-ihsan, qui le mène vers quoi ? La station de l'ihsan, qui le mène vers l'amour d'Allah et qui le mène vers la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan, il nous a servi à ça, ayyuhal ikhwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je suis de l'opinion que se fait mon serviteur de moi. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis de l'opinion du serviteur se fait de moi ? Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi. C'est que quand tu demandes à Allah, tu as la certitude dans ton cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te répondre. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Quand tu as la certitude, on te ramène un rapport et on te dit, ton père ou ta mère ou ton fils ou toi-même, il ne te reste plus rien à vivre. On te ramène un rapport, on te dit, regarde, le rapport il dit, s'il y a 2 mois, s'il y a 3 mois, c'est déjà beaucoup. Mais toi tu sais, yaqinan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qadir wa qadir, tu sais avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut tout. Et qu'avec ton dua, Allah subhanahu wa ta'ala il peut lever le bala. C'est ça la certitude, ayyuha al-ikhwa. Et c'est ça, husnudhan billah. C'est ça, husnudhan billah. C'est avoir cette certitude qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand tu l'appelles, il est avec toi. Mais comment Allah, subhanahu wa ta'ala, quand je l'appelle, il est avec moi ? Bien sûr, moi, il faut que je fasse l'effort. Il faut que je chemine vers lui. Il faut que j'aille vers lui. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, Yabna Adam, dans un autre hadith Qudusi, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, Yabna Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا ابالي الله سبحانه وتعالى il nous dit oh toi le fils d'Adam si tes péchés arrivent au ciel et que tu arrives chez Allah et tu lui associes rien du tout il faut faire attention à l'association parce que des fois on ne comprend de l'association l'ancienne association que faisaient les Quraychites quand ils adoraient les stèles. Quand ils adoraient les stèles, les Quraychites. Mais qu'est-ce qu'on adore, nous, aujourd'hui ? On adore les stars. On adore les stars, aujourd'hui. Et les stars, dès que les stars, ben, elles s'allument et après, elles s'en vont. Il y a des stars des années 90, il y a des stars des années 80, il y a des stars des années 2000. On adore les stars, on adore le matériel, on adore l'argent, on adore le veau d'or. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ushribu fi qulubihim al-ijl » Beaucoup de gens oublient que l'association, des fois, tout ce qui peut te mener vers la désobéissance à Allah, et ben on est rentré dans l'association. Allah subhanahu wa ta'ala il dit fa'dhanu biharbin min Allah. Quand il parle de riba, dharu ma baqiya min ar-riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah. Si vous le faites pas, si vous le délaissez pas le riba, qu'est-ce que vous faites ? Et ben vous déclarez la guerre à Allah. Quand la personne vient demander la fatwa, tu lui dis quoi, frère ? Écoute frère, tu veux déclarer la guerre à Allah ?
Quand tu veux déclarer la guerre à Allah, t'as pas compris le lien que tu as avec Allah. T'as pas compris que quand tu donnes 1 euro, Allah subhanahu wa ta'ala t'écrit 700. Et quand tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah il te multiplie ce qu'il peut te donner. C'est ça le yaqin. C'est ça husn al-dhan billah. Je vais finir avec une chose, ayyuha al-ikhwa. Un mystique, wahd al-abid. Un abid, vient, quelqu'un vient le voir. Il lui dit, j'arrive pas à faire qiyam al-layl. J'ai du mal à faire qiyam al-layl. J'ai beaucoup de mal à faire qiyam al-layl. J'ai beaucoup de mal à me lever. Bien sûr. Alors il lui dit, il lui schématise un peu, il lui matérialise un petit peu qiyam al-layl. Il lui dit, quand tu viens faire qiyam al-layl, dans chaque sejda, tu consacres un dua pour quelqu'un que tu aimes. Consacre un dua pour ton père, ou pour tes parents qui sont décédés, ou pour ta maman, ou pour tes enfants. Et sache que la personne qui est dans l'au-delà, quand tu lui as fait ce dua lui est arrivé. Et que le jour où tu te lèves pas, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette personne, elle était en attente, et toi, tu n'es pas venu au rendez-vous. Eh bien, en fait, tu t'astreins un rendez-vous avec la personne qui est dans l'au-delà. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il te récompense, parce qu'à chaque fois que tu fais un dua pour quelqu'un d'autre, il y a un ange qui dit, « Ya Allah, a'tihi bin mithl, Ya Allah, donne-lui la même chose. » حُسْنُ الظَّنْ بِاللَّهِ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ أَنَّنَا نَظُنْ وَنُؤْمِنْ بِأَنَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Nous croyons, nous avons une forte foi en Allah subhanahu wa ta'ala, que tous les du'as que nous avons fait fait Shahr Ramadan, que toutes les dépenses que vous avez fait, Ayyuha al-Ikhwa, fait Shahr Ramadan, que toutes les prières et les ibadat et les jeûnes que nous avons fait fait Shahr Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbalaha minna li'annaha kanat khalisatan liwajhik. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة j'ai plusieurs choses à vous annoncer inshallah dans cette deuxième partie de khutba inshallah inshallah صلاة العيد بإذن الله. Les autorités nous ont autorisé, enfin nous ont donné l'autorisation de pratiquer Salat al-Aïd dans le stade Maurice David, le stade de rugby qui se trouve là. Là, on a fait Salat al-Aïd, Salat al-Aïd al-Adha. Donc, Inch'Allah, Salat al-Aïd, c'est le Aïd est le 13, Inch'Allah, jeudi 13. Salat al-Aïd sera vers les alentours de 8h, Inch'Allah. Mais on commencera à accueillir les fidèles à partir de 8h30. Que chacun de vous ramène son tapis, ramène le masque et qu'on respectera, inshallah, les distanciations sociales, bi'idhnillah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbal minna. On pense organiser une collation à la mosquée pour ceux qui ont leurs enfants inscrits à la mosquée, marhaba. Parce que c'est un jour de l'Aïd et je pense qu'il va tomber un jour férié aussi. Donc celui qui veut venir à la mosquée, marhaba. Une autre chose, ayyuha al-ikhwa. Il y a des gens qui pensent que la mosquée, les gens qui viennent à la mosquée, ah, on est en train de jouer, on est en train là de je ne sais pas quoi. Non, non, nous nous battons pour maintenir la mosquée un lieu sacré pour les musulmans. Parce que la mosquée, elle est à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle n'appartient pas à une personne ou une clique, non, jamais. La mosquée, elle appartient à Allah, et la mosquée, elle est à tous les musulmans. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. La mosquée appartient à tous les musulmans, et on a besoin de toutes les compétences, et toutes les compétences peuvent s'exercer à la mosquée. Il faut que les gens comprennent ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui pensent que la mosquée, c'est un lieu privé. Non, la mosquée, ce n'est pas un lieu privé. Allah ayyuha al-ikhwa. Un jour, on était à Médine. Je vous raconte cette histoire. On était dans un bureau avec quelqu'un que je connais personnellement. Le bureau où il donne le masahif à Médine. Et il y a quelqu'un qui vient, il dit, voilà, ce sont des masahif que quelqu'un a acheté devant la porte de Médine. Et il a dit, ces masahif, je les offre à la mosquée pour que les gens, quand ils lisent dans le masahif, j'ai des hasanat. Il dit, ok, pose-les sur la table là-bas. Il les pose sur la table. Il y avait une dizaine de mushaf. La personne, elle s'en va. Elle revient. Elle dit à la personne, le directeur, il lui dit, je me suis trompé sur les mushaf. Ce ne sont pas ceux-là. C'est les autres. Je vais vous ramener d'autres et je reprends ceux-là. Il dit, non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Chaque chose qui rentre à la mosquée devient waqf. Chaque chose qui rentre à la mosquée devient waqf lillah ta'ala. Quand on fait rentrer quelque chose à la mosquée, elle appartient à Allah. Elle ne t'appartient plus. On a compris ça? On en est, nous, par rapport à ça. Si je ramène quelque chose à la mosquée, un livre, une chaise, n'importe quoi, ce que je peux ramener à la mosquée, et aussi, ayyuha al-ikhwa, la mosquée, ce n'est pas un dépotoir. Il y a quelqu'un qui nous appelle et me dit, mon père est mort, je vous ramène les habits de mon père. Non, pourquoi? On est un dépotoir?
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Tu ne peux avoir atteint la plénitude de la foi que lorsque tu dépenses de ce que tu aimes, de ce que vous aimez. C'est ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien tu donnes al-fadl à terre, tu la donnes à la mosquée. Non, la ilaha illallah. Wa hasha lil muslimin an yakunu hakadha. Généralement, les gens qui font ça sont les gens qui ne viennent pas souvent à la mosquée. Mon père est mort, je vous ramène. Non. وليعلم الناس ان ما يدخل المسجد يصبح وقفا لله سبحانه وتعالى ومن غلى فانما يغل يوم القيامه. الرسول صلى الله عليه وسلم يا quelqu'un qui est mort, on lui dit à رسول الله il va être au paradis. قال non, هو في النار. Pourquoi? Il a pris une petite chose avant que le prophète صلى الله عليه وسلم répartisse le butin. Petite chose, طرف قماش, comme ça il l'a prise, elle était dans sa poche. Quand ils ont cherché, elle était dans sa poche. Il y a des gens qui ne mesurent pas des fois leurs actes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala karim. Ou Allah subhanahu wa ta'ala allamul ghuyub. Ya'lamu ma kha'inatul a'yun ma tukhfis sudur. Al-hadar, al-hadar, ayyuhal ikhwa. Al-hadar min hadha, ayyuhal ikhwa. Deuxième chose ou troisième chose, ayyuhal ikhwa. Nous recevons beaucoup de gens qui nous disent faites des dua pour mon père, faites des dua pour mon grand-père qui est mort, faites des dua pour. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala yarham jami' al-muslimin wal-muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma shfi marda al-muslimin ya rabbi al-alamin. Beaucoup de gens nous disent mon père a le Covid, il est en respiration artificielle, il est dans le coma artificiel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yarfa' al-dhur an kull muslimin ya rabbi al-alamin wa kull ibad yarfa' anna hadha al-waba' ya rabbi al-alamin ya Allah ya dhal-jalali wal-ikram. La dernière chose, ayyuhal ikhwa, la meilleure des sadaqas. Un frère, il m'appelle, il me dit, je veux donner 10 euros tous les jours des 10 derniers jours, là. Des 10 derniers jours, comme ça, ça me compte, si je tombe sur Laylat al-Qadr, ça me compte 1000 mois. C'est parfait, c'est extraordinaire. Mais n'oublions pas que sadaqa, ayyuhal ikhwa, c'est que chacun, il donne de ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a donné. Sadaqa, c'est pas seulement de l'argent. Bien sûr, c'est la meilleure des sadaqas. Mais si tu as un ilm, si tu as une science, si tu es médecin, si tu es électricien, si tu es mécanicien, et que tu offres ton service à ta communauté, à ton frère, eh bien ça c'est une sadaqa. Si tu offres un repas, c'est une sadaqa. Si tu offres un sourire, c'est une sadaqa. C'est une sadaqa. Si tu offres ton temps, il y a des mamans qui offrent leur temps à des personnes âgées. Ça c'est une grande sadaqa, ayyuhal ikhwa. C'est une grande sadaqa. Et dernière chose, ayyuhal ikhwa, il y a une mosquée de Lyon qui nous a demandé de parler d'eux. On va parler d'eux, Inch'Allah. C'est une mosquée qui se trouve au centre de Lyon. Et je suis allé les voir, ils m'ont raconté l'histoire. C'est une mosquée qui se trouve au centre, et donc ils ont un plateau comme ça, enfin au rez-de-chaussée, et ils ont des étages dans la mosquée. Il y a une salle de gym ou de danse à côté d'eux qui a fermé. Le propriétaire voulait vendre. Bien sûr, viennent les identitaires ado. Shirzima yuhal ikhwa, un petit groupe qui font beaucoup de bruit. Ils ont tout fait pour que la mosquée n'achète pas. Et la mosquée a sorti, mais vraiment, ils ont sorti l'argent de leur tripe pour essayer de mettre la main sur cette salle. Et le propriétaire, il a dit, moi, celui qui m'offre, le montant, je lui vends. Et ils sont arrivés à un montant, ils se sont endettés. Qalak, aidez-nous. Aidez-nous pour rembourser nos dettes. Ils ont une dette, ils ont acheté cette salle, 500 000 euros, ayyuhal ikhwa. On va les aider, bi'idhnillah. Celui qui veut aider cette mosquée, marhaba ayyuhal ikhwa. On va mettre les liens, le RIB, le lien qu'ils ont lancé un cotiseur. Il faut les aider, bi'idhnillah. Pourquoi? Il faut montrer au monde entier que les musulmans sont solidaires. Il faut montrer que nous avons compris. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Et à chaque fois que tu dépenses quelque chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne. On a parlé de la certitude tout à l'heure. On a parlé de la certitude que quand tu dépenses quelque chose, c'est pas quelque chose de perdu. C'est quelque chose que tu as mis chez Allah, que tu as mis dans un compte pérenne, indéfini chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tu ne verras les conséquences. Déjà, tu les verras, inshallah, ici. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il te multiplie le khayrat, mais tu les verras aussi, là-bas, chez Allah. نحن لا نال شيئا أيها الإخوة. من أراد أن ينفق فله ولنفسه والله سبحانه وتعالى مطلع على كل الخيرات إن شاء الله على كل عمل صالح إن شاء الله. كالله سبحانه وتعالى نفاسيليت كالله سبحانه وتعالى اللهم ارحمنا يا رب العالمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ارفع الضر عن كل المسلمين يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب فضلك
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إخواننا أيها الإخوة في فلسطين يطلبون منكم الدعاء فادعوا لهم اللهم ارحمهم اللهم ارفع عنهم الضيق والضر يا رب العالمين اللهم ارفع عنهم الضيق والضر يا رب العالمين اللهم إنهم مرابطون في المسجد الأقصى اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم بلغنا نهاية رمضان اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين اللهم بلغنا نهاية رمضان اللهم اجعلنا من العتقاء من النار اللهم اجعلنا من العتقاء من النار اللهم اجعلنا من العتقاء من النار آمين 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 يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم